Les amis, reconnaissez-vous ce jeu? Ouais, ça vous dit sûrement quelque chose. Ben les amis, aujourd'hui on n'est pas là pour rigoler parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer en même temps que j'ai fait ce magnifique MP05 pour la dernière fois. Pourquoi est-ce que j'ai tout simplement décidé d'arrêter de jouer à Open Rails? Vous le savez, Open Rails et moi, ça fait un moment que je n'y joue plus. Et ce, pour plusieurs bonnes raisons. Voilà. Vous savez, avec ce qui me passionne. Et là, il se trouve que Open Rails et les trains en général n'étaient plus mon sujet principal de passion. C'est pour ça que il n'y en a plus sur ma chaîne. La deuxième raison, c'est pas compliqué non plus. Je pense que vous avez été nombreux à savoir que j'avais une mauvaise réputation dans le domaine d'Open Rails, puisque soi-disant je vole les trucs des autres. Alors je vais vous donner une explication tout de suite. Moi je ne considère pas que c'est du vol, parce que toutes les RAM que j'ai récupérées qui appartenaient à des autres et qui n'étaient pas censées être divulguées, elles étaient en libre téléchargement sur des sites. Ok, sur des sites pas vérifiés, mais ça je ne le savais pas, je n'avais que 13 ans, je le rappelle. À 13 ans, tu te dis pas forcément, tiens, je vais m'assurer que c'est legit. Toi, tu vas télécharger, tu télécharges, point. Alors, ça sert à rien de venir me menacer de justice. Pareil, vous l'entendez, c'est un son de MP14 que vous entendez là. C'est le cap ventilo de la MP14. Et c'est suite à cette vidéo que j'ai décidé de marquer l'arrêt final sur YouTube, parce que là encore quelqu'un est venu m'emmerder en me disant, et je vais reprendre mot pour mot ce qu'il m'a dit, que soi-disant c'est sa création des sons du MP14. Alors Billy Florian, si tu passes par là, et j'espère que tu vas passer par là, à ce que je sache tu ne travailles pas chez Alstom, sinon tu serais pas sur YouTube. Et si tu travailles chez Alstom, je m'excuse, mais si tu travailles pas chez Alstom, c'est pas toi qui as créé ce son, donc logiquement le son ne t'appartient pas. Certes c'est ta vidéo, j'aurais dû te demander l'autorisation, voilà, mais t'as pas à m'accuser de voler ta création. En aucun cas c'est toi qui as créé le son du MP14 et encore moins l'arabe en général. Ce sont les deux principales raisons. Après il y avait plein d'autres raisons. Et que forcément mes abonnés me demandent d'autres choses que ça. Forcément, ben, moi étant passionné à ce moment-là par les montagnes russes, je me suis dit ben, pourquoi pas faire des montagnes russes et tout. Et finalement il se trouve que depuis fin 2017, mais le déclic s'est fait en 2018 où j'ai découvert ma passion pour les montagnes russes, je fais que de ça majoritairement. Récemment je me suis un peu reconverti à l'automobile, mais je continue à faire des montagnes russes et des créations en rapport avec les trains. Et ces images que vous voyez là seront les dernières sur Open Rails, car je n'en ferai plus de vidéos après ça, car je préfère éviter les problèmes avec les autres youtubeurs. Je pense que vous me connaissez, je suis un gosse de 15 ans, je pense que j'ai d'autres choses à foutre que d'avoir des emmerdes avec des gens qui me veulent juste du mal. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous savez quoi faire pour me montrer, c'est à dire vous me foutez un like, vous vous abonnez en activant la cloche, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos que je sortirai. Je vous rappelle les amis que vous êtes 94% à ne pas être abonné à ma chaîne et vous regardez mes vidéos, donc vous pouvez le faire, je vous invite fortement à le faire, vous ne serez pas déçus, donc c'est complètement gratuit. Si ça t'a pas plu, tu peux m'écrire pourquoi dans les commentaires, même si honnêtement je sais pas qu'est-ce qui pourrait ne pas plaire dans cette vidéo, étant donné le fait que c'est juste une vidéo explicative. Et moi je vous laisse et je vous dis à dans quelques jours sur Forza Horizon. Allez, ciao bye motherfucker.